Bonsoir, Nabalane Nyonsoe, Aigle de Celtive 1. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de participer dans une convention qui a été organisée par Samuel Ndonga Ministry, ici dans la colonne de la vérité, dans notre salle, la meilleure salle du moment. Vous avez été donné par Dieu à travers l'homme de Dieu, de Brandt, Vette, en toute 44. Vous savez, si vous avez vos fêtes, vos événements, n'oubliez pas de contacter Samuel Ndonga Ministry. Donc, précisément, le diacre Jésus Montéra Montéra Malamou, il est là pour vous. Servant de Dieu. Hier, on était dans une convention. Oui. D'Olandio. Vous avez dit que vous avez le jour que vous avez reçu l'invitation. Oui. Auprès de l'homme de Dieu, Samuel Ndonga. Mmh. Quelles étaient vos impressions? C'était pour moi un sentiment de responsabilité parce qu'à chaque fois qu'on est invité pour aller prêcher, c'est une responsabilité que le Dieu nous donne par rapport au peuple. Donc j'étais contente en même temps, mais aussi une responsabilité. Donc voilà, j'ai connu l'apôtre Samuel Ndonga, donc on travaille déjà ensemble. Je suis souvent dans les émissions, donc j'ai connaissé ça, mais c'était plus ce sentiment de responsabilité de quoi apporter au peuple par rapport au cœur de Dieu. Voilà. Mais quand vous avez l'invitation, vous n'avez pas eu le temps parce d'aller prier auprès du Seigneur, de demander la volonté de Dieu, mon tour, mes heures de travail. Parce que quand on vous demande une demande d'interview comme ça, ou d'une chose, non, laisse-moi aller contacter Dieu. Je ne sais pas si vous montez réellement ou c'est une réponse indirectement universelle du ministre de Dieu. Non, c'est pas tous les requêtes qu'on doit aller prier. Tu vois, donc comme j'ai dit, je travaille déjà avec le ministère Samuel Ndonga, donc je fais des émissions chez eux. Et je connais aussi l'apôtre Samy, ça fait vraiment des années. Il travaille vraiment ensemble avec mon mari qui est l'apôtre Guigui. Donc pour moi, il n'y avait plus moyen d'aller prier parce que je savais que c'était OK. Vous avez confiance du Samuel Ndonga? Oui, j'ai confiance du Samuel Ndonga. Vous savez qu'il y a un homme dans la Bible, il a été mort parce qu'il avait confiance d'un vieux prophète. En tout cas, là, c'était lui. Mais comme l'apôtre Samy n'est pas un vieux prophète, il est du moment, il est un grand visionnaire. Ouais. Donc je savais que c'était OK. Le Saint-Esprit était d'accord avec ça. Que Dieu le bénisse. Vous êtes la femme d'un serviteur de Dieu. Bon, je suis la femme d'un serviteur de Dieu, mais je suis aussi la prophétesse. Donc, le Seigneur m'a mandaté dans un mandat prophétique pour pouvoir amener le cœur de Dieu ainsi que ses principes dans le corps de Christ et puis amener aussi son plan dans le corps de Christ. En tant que prophétesse, je ne peux pas avoir une prophétie d'urgence pour moi. C'est une demande parce que vous êtes en contact avec vous, vous montez, vous descendez. Mais tu sais qu'il y a différents genres de prophètes. Voilà. Je vais un peu expliquer parce que beaucoup oublient. C'est comme si vous êtes devenu des prophètes majeurs auprès des hommes de Dieu. Donc je ne sais pas, je ne fais pas de polémique, mais c'est comme si vous, les prophètes, on ne peut pas vous reprocher, vous êtes dédié sur la terre. Parlons-en un peu. Non. Tout homme doit avoir quelqu'un pour qu'il puisse le reprocher. Mais à ce qui concerne la prophétie, un prophète n'est pas seulement censé à donner des prophéties individuelles aux gens. Le Seigneur a mandaté différents prophètes. Les uns sont appelés pour donner des prophéties individuelles, mais d'autres sont mandatés pour amener la pensée de Dieu, le cœur de Dieu dans son corps, dans le peuple, dans le corps de Christ. Donc c'est vaste, quoi. C'est pas seulement limité par rapport aux individuels. Donc voilà. Hier, vous avez parlé sur nos frères libyens. Qu'est-ce qui a été là avec nos frères libyens? L'autorité que vous avez eue avec votre assistance. Quelle conviction à propos étant vos limites? Non. Comme je parlais de étant nos limites sans être limité par les nations, j'ai voulu donner un exemple par rapport à mon assistante. Comme elle est hollandaise, j'ai voulu faire comprendre que quand le Seigneur nous appelle Elle peut venir nous parler. Elle n'est pas méchante. Non, tu viens à Astrid, viens. Parce qu'elle m'assiste pour dire aux gens que je ne prêche pas seulement ce que je ne fais pas. Moi-même, j'ai une assistante qui est blanche, qui est plus âgée que moi, mais je lui ai enseigné les principes du royaume. Voilà pourquoi on travaille selon ces principes-là. Et pourtant, nous, les Africains, souvent, nous sommes limités par nos pensées, par notre façon de matérialité. Elle comprend. Elle comprend. Mais si tu la poses bien, la question, toi, tu fais la tradition néerlandaise. Oui. Hier, elle a été interpellée. Riz Rabi qui est en groupe en four. À propos d'un extrait de la prédication. Door een extra in de mijn prediking. Sur étant mes limites. Door het uitbreiden van onze limieten. Quand vous avez été interpellée. Toen je naar voren gebracht was. Moi, j'avais peur. Hij was bang. Parce que la prophétesse. Van de prophétesse. Avait une autorité suprême. Ze had een bepaalde autoriteit. De dominer sur tout le monde. Oh my goodness, om te hier. Dus hij wat vond je? Vous avez été fâché sur ça. Was je boos op dat? Wat vond je van? Het was voor mij een hele eer. C'était pour moi, elle dit que c'était pour elle l'honneur. Om naar voren geroepen te worden. Que ma mère m'a appelé pour venir devant. Het is mijn geestelijke moeder. Parce que c'est ma mère spirituelle. Het is mijn pastor. C'est mon pasteur. C'est ma prophétesse. Het is mijn mentor. C'est mon mentor. En ik weet dat ze nooit iets zou doen. Et je sais qu'elle ne va jamais faire quelque chose. Om mij in discrédit te brengen. Pour l'amener en discrédit. Maar alleen om mij verder te brengen. Mais elle va toujours faire quelque chose pour m'amener pour que je puisse avancer.
als een voorbeeld te gebruiken. Mais aussi pour qu'elle puisse m'utiliser comme exemple. In haar preek. Dans sa prédication. Om het volk van God te kunnen helpen en verder te kunnen brengen. Et pour aider le peuple afin que le peuple puisse avancer. Want er moet een verandering komen in de culturen. Parce que les changements doivent venir dans les cultures. Niet alleen in de Nederlandse cultuur. Pas seulement dans la culture hollandaise. Maar ook in de cultuur van Congo. Mais aussi la culture de Congo. Jesus culture moet terugkomen. La culture de Jésus doit prendre place. En ik vind het niet erg om dan als voorbeeld gebruikt te worden. Je n'ai pas trouvé mauvais de passer devant alors. Quand elle reste, lorsqu'elle s'est retournée, elle a raconté, elle a témoigné de cela aux alentours, aux sœurs de l'église, à la maison. En toen je dus toen je dan terug was naar je huis, heb je dan getuigen gegeven van dat erin, heb je het verteld aan iedereen wat gebeurd was? Nee. Ik heb het aan mijn man verteld. Oui, je l'ai dit à mon mari. Ja, Radis aan zijn man. Ja, amen. Ik ga saluer un peu son mari. Oké, je mag je man ook goed assertief. Zal ik doen. Goed, nee, goed je man vanaf hier assertief. Dag lieverd, ik hou van je. Amen. 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 Merci. Merci. Sommes arrivés à la fin. Obangisingai. Et aujourd'hui, par rapport à la passation d'hier et d'aujourd'hui, et la collaboration de notre travail qui était venu de l'Angola et de lui-même Samy, que vous avez comme leçon à l'intérieur? Parce que c'est comme si vous, vous avez des leçons, mais vous, vous êtes donné des leçons. Non. Je prends aussi beaucoup de leçons. Évidemment, quand on prêche, on nous prêche aussi nous-mêmes. Donc, j'ai reçu beaucoup de leçons. J'ai compris beaucoup de choses. Quand l'homme de Dieu, le pasteur, m'a tout, je crois, prêché. J'ai été béni. Il a parlé des choses très importantes. Il a parlé sur pour éteindre tes limites, tu dois avoir une couverture et tout ça. Donc, j'ai été vraiment béni. Je n'ai pas seulement donné, mais j'ai aussi reçu beaucoup de choses. J'ai mis la passion de votre église, oui, de vos diacres, vos administrateurs. Vraiment, je suis dans la joie. Vraiment. Je veux le saluer de notre part. Je vais vraiment le faire. C'était pour la première fois qu'il y a une coalition entre nous et vous. Oui, ça c'est vrai. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. C'est une église qui est un peu écartée de la communauté, intégrée dans notre communauté. Vraiment. Mais ils ont beaucoup d'étrangers, je vous félicite beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Mais malheureusement, on s'est parlé le jour des funérailles avec vous. Oui, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, il s'est accompli. Vraiment. Je ne suis pas un prophète, hein. Moi, je ne suis pas. Mais tu as la grâce. Tu n'as pas besoin. Je ne peux pas avoir cette grâce-là. Non, mais tu n'as pas besoin d'être prophète pour avoir la grâce prophétique. Donc voilà. Pour arriver à la fin, oui, hier vous avez recommandé Samuel Ndonga de l'évangéliste à l'apostolat. C'était une prophétie ou comment? Parce que comment tu étais formidable. Veuillez sur la prédication d'hier, Samuel Ndonga ministre, vous ne serez pas déçus. Vraiment, ce n'était pas une prophétie, c'est le travail qu'il fait, le mandat qu'il fait. L'observation. Et puis un père spirituel n'est pas un pasteur. Donc l'église a été fondée par les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire quand tu es un visionnaire d'un travail, tu as des serviteurs à côté, toi tu es un apôtre, tu n'es pas un pasteur. Donc c'est la question de connaissance. Au travers de la connaissance, je peux observer, identifier qu'il est un apôtre. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vraiment. Non, c'est plein. Avec plaisir. Ah, ok, je le fais. Mais tu as écouté. Mais comment tu as quitté à moi qui en aille. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bonsoir. Tout ça, Awana Sali, Samuel Ndonga, et pas les conventions de Kaki, et pas les bassins de Baleki, Naba servant de Dieu. C'était vraiment une forte conversion. Oh, tout le monde a béni Nango, mais Bissoba technique, tout ça béni Nango, parce qu'il y a des très bonnes images, des très bons événements, mais malheureusement, ma photo trop peu, ça m'a inbox dans l'homme de Dieu, dans mon archive, dans mon panzi, parce qu'il y a plus trop d'exorcisme. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Papa, tout le monde est en Hollande. Où est-ce que vous êtes? Comme Hollande, partout, ma foute Zola. Partout, ma foute Zola. Papa, partout, ma foute Zola. Tout le monde est en Hollande. Posez un peu de vous avez courage, vous avez la montée. Et parce que Samuel Ndonga l'a vu, ça doit être au Lembi. Téma tout ça intégré, tout le monde est en Lemba Lemba. Mais ma casse est en construction. Amen. Non, ma casse est en poche moulaï. Amen. Comment on a dit, monsieur Koui? Aouti Angola, église en Angola, dans Luanda, dans plein capitale, dans Talatona, église comme on a dit, Mifadi, mission internationale de faveur divine. Il y a une mission, il y a deux ans, cinq ans, une mission par quelques semaines. Pour nous, il y a une mission, comme on a dit, mission, oh, mission, comme une année, huit ans, mission, c'est la raté. Il y a une mission, Donc, on a une mission. Toutefois, dans l'Europe, au moins deux ou trois fois par an, on a toujours une mission pour avoir apporté plus une pierre dans le corps de Christ pour l'œuvre et l'édification. Donc, d'ici là, je quitte l'Hollande mardi. Et, la semaine prochaine, je serai à Paris. Et à partir à Paris, je suis avion dans la zone de Luanda. Il faut bien dire, parce que vous êtes angolais.
je suis angolais. Quand vous savez qui en Hollande, quoi la chose que vous admirez, une église, même autre église. Fique muito edificado pela hospitalidade de homem de Deus que me recebeu. Os homens de Deus ou o homem de Deus? Vou falar ainda de um homem de Deus que me convidou aqui, que é o apóstolo Samuel. E a hospitalidade e a sinceridade dele, e é uma pessoa muito boa. E uma coisa que eu gostei, que ele está fazendo um trabalho grande, nós todos estamos a ver o espaço. E é uma pessoa do coração aberto. Ele me deixou toda a liberdade de pregar, ele não me deu um subtema. E nós pregamos sobre a tema de alargar as limitas. E fiquei muito edificado por isso. E a comunicação com os povos aqui, com o rebanho aqui na igreja, como que fica dentro da pregação? O povo da Holanda é um povo observador. Muito observador. E eles não aceitam tudo do momento, vocês têm que preparar o coração. E quando eles se sentem convencidos, neste momento, eles entram na tração da palavra. Qual é o mensagem que você vai levar em Luanda com sobre a situação que você todos você vive aqui, né? Holanda. E a mensagem que eu posso recado. Sim, o recado que eu posso dizer e as pessoas na Angola, há muita surpresa, os angolanos que não sabem que há os angolanos que estão a trabalhar bem no estrangeiro, vocês próprios estão a ver a sala e um homem bem organizado, uma pessoa muito estável e que há nossos irmãos que estão a trabalhar aqui na Holanda. Uma pergunta, eu tenho feito um constante, também nesta igreja dos angolanos, também na outras igrejas dos angolanos, os angolanos que vêm aqui, também os bantos que vêm aqui, principalmente os pessoas que falam português. Quando você vem aqui, você emprega em francês, também em Lingala, nunca viu pregar no Kikongo. Mas o reverendo Samuel Ndonga diz, ele foi na Alemanha, ali ele dizia, você vem da onde? Vem da Holanda. Também na Holanda tem um pregador, hoje. Você insistiu ali com uma coisa hoje ou ontem, sobre os povos que falam inglês, o Nigerian, o Ganache. Por que vocês levam vossas línguas aqui na Europa, pregam em português? Quando Maurice Leão vem aqui, ele prega em espanhol, prega em português. Quando é bom que vem, prega em inglês. Mas por que vocês pregam, não pregam em português, aí levam o bandeira lusofone dentro do nosso? Também com essa explicação boa, para vir também, tem uns pregadores, fala português, prega bem. Isso não depende sempre dos pregadores. Isso depende também da igreja, das pessoas. Por exemplo, para mim, se me permitia de pregar em português, eu podia pregar em português, mas não sabia. Eu não sabia que a igreja, a maioria das pessoas que são na igreja. Não, sim, é por isso que eu estou a dizer. Eu quando for na América, vou falar francês, sim. Vou falar neerlandês. Sim. Porque saí na Holanda. Sim. Como vocês veem, é melhor pegar em português. Sim. Essa aqui é uma complexa dentro de vocês. Vê daqui no francês, o francês, o lingala, a conquista vai ser boa ou o quê? Não, a realidade não é um complexo. Isso depende da comunicação. E quando nós chegamos, se nós encontramos as pessoas dentro da sala, a maioria fala em português, nós podemos pregar em português. Qual por exemplo, conselho, vou falar. Qual o conselho vai levar nessa igreja? Essa igreja. 70, 80% são angolanos. Mas ele não tem uma adoração em português, não tem uma pregação em português, mas todos falam aqui português. Ah, isso, o quê? Isso que eu posso falar, nós, a cultura é uma bênção que uma ninguém bênção. Pode estragar. Amém. É por isso que você pode ver todos os povos israelitas em todos os países que eles vão, pode se integrar, falar a língua deles, hebreu, a cultura não se estraga. Então tem que pôr os louvores em português. Por exemplo, eu não sabia que a maioria das pessoas aqui fala em português. C'était la double interview. Tout le monde est que Bayaka Awa, Bota Angola, mais tu as besoin de portugais, ni adoration en portugais, car tu as dans lingala en français, au moins pas y aller, là pour que tu aies besoin de la langue, honnêtement, moi c'est elle.
Tu as parlé beaucoup de choses et la commission de l'attraction était formidable. Bénissons nous une église Oyo. Banda yo na motoza kwa nosu Oyo, apôtre Chantal na Netherlands. En fait, to tambola ka toujours na paya ba brebi. Tang Jacob bazolongwa akendo kokuta na na Esaou a classa 3 triples. C'est pour dire que to zara toujours na complémentarité. Même nga mouté na zo roté na rozala pe édifier ne logo nga na kokuta. Et là, on a couti, j'ai trouvé une partie administrative qui est très bonne, ça m'a édifié. Et j'ai trouvé la partie organisationnelle qui est très bien, ça m'a édifié. Ce sont des choses pétangana au Kenenamboka. On a moni na zangisaki pour na sala en Penamboka. Partie administration organisationnelle organisée na CNA Biso Berthe, ça dit ça. Ça, c'est une bonne chose. On n'a pas permis que yo kayo. Vraiment. On n'a pas permis que vivre yo. On a certain homme qui a la grâce. Pour l'année de vidéo, la Samuel Ndonga ministry, Samuel Ndonga pour mon néango, écrit très bien. Quelle a été votre complémentarité avec la prophétesse et lui-même l'homme de Dieu par rapport à l'intervention avant vous? Voilà. Vous avez donné l'espace où vous avez été bloqué, c'est pour cela que vous. La, un peu dans la prédication. La conférence, ce n'est pas un lieu de guerre. Amen. La conférence, c'est un lieu d'édification, de complémentarité. Ouais. C'est pour dire que ce que moi je dis, je m'arrête, l'autre vient et il continue. Par exemple, l'apôtre hier, il a introduit, il nous a défini deux points. La prophétesse est venue parler sur un autre point et moi aussi je touchais sur un autre point. Peut-être la prédication d'hier, vous sentirez que ça a été plus haut, plus agressive. Ouais. Mais la prédication d'aujourd'hui, c'est. Vous nous faites intimider ? Non, c'est pas l'intimidation. Vous chassez l'ennemi ? Non. La, quelque chose. Vous savez, quand on vous donne une opportunité dans un endroit, vous devez impacter ces lieux. C'est pour dire qu'il y a un moment donné, on arrive pour créer un réveil. Il y a un moment donné, je dois positionner. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas travaillé comme un pasteur ni un prophète. J'ai travaillé comme un apôtre pour poser des bases. Parce que j'étais là pour conclure. Je ne dois pas vibrer, mais je positionne les écritures pour que les gens comprennent au moins intention ni nous et mema qui batou baya out. Pour élargir ma limite. Pourquoi élargir les limites en Bokate, sur s'intégrer en Bokate. Nous conscientiser bande gonyo sur bazana kata en Boka, ba s'intégrer en Boka, ba renouveler penser na bango, ba découvrir au bazana ngo. Okoza la oza millionnaire té, oza riche té, mais en toi tu es né avec une richesse. Oza ne loko moko nzamba tia ona kati, faut yo découvrir en ponza mba pesa ngo forme. So yo moko minimiser oyo zali na vie au matate. Et le conseil n'a pas sa bandeko. Et le oeko matisayo, et ça, et le moninga teza, et le yozalango. David Abouya qui a dit que c'est un peu de. Alors, nous avons conscientisé, pauvres unions, surtout, il y a Hollande, Nzamba Zalana Bango, Nzamba Pambola Bango, Bino Pe Bozola Nabiso. Bozanga te kobonde la pona biso place moi erreur ezalaka te bino wana erreur te bino zaba tinzambe te erreur ezalaka entre nous selon les conceptions des gens peut-être erreur musu na langage erreur musu na comportement ndenge na omona lelo na ba facebook e koma centre ya ko exposa ka ba sale na nzambe ba guerre mais na kati ya Hollande baza la ini ba reconnaître ba grâce mutu na mutaza la na limite ya likabo nzamba pe si a reconnaître likabo moninga pour ba évoluer. Merci beaucoup conseil homme de Dieu ko la bénirie vraiment une prédication là on a Samuel Ndonga début jusqu'à la fin d'hier et d'aujourd'hui ça a été formidable extrêmement très bien avec le ciel ko la bénir bino homme de Dieu ko la bénir yo. Amen. Na moni professeur telemenga kuna na banga makasi donc ngome koki papa kolo a pambola yo. Merci papa. Merci.
comme presque à la fin, toi en Akata Samuel dans la ministre, dans la salle, l'ambiance a été formidable, a été bien passé avec les hommes de Dieu. Bonsoir encore Nakata Église à compte de la vérité, mais toi qui pour la raison, il y a Samuel dans la ministre, où il peut s'habiller sur l'opportunité. Donc, parce que nous avons fait tout le bel et le magam bel et à qui n'a plus loin, nous avons pas mal de balles là. Bonsoir papa. Bonsoir aigle du ciel. Merci papa. Bonsoir. Ce n'était pas, l'inspiration était là, la vision était là de réaliser des activités. Mais on a eu aussi des connexions, des hommes de Dieu qui sont en passage ici en Europe. On était connectés, on peut profiter de cette grâce. Voilà pourquoi on a reçu l'homme de Dieu qui est venu de l'Angola par connexion du prophète Isola qui habite en Belgique. Mais la conviction, l'inspiration était aussi d'inviter la prophétesse Anna, qui est la servante ici dans notre pays. Ah, merci. Merci beaucoup. Très bien, prophète Isola, Mobalia, Maman Nabiso Julia, Kola Beni, Bino, le Bina Monaki Bino, Mina Bosa, Nayem, Pia, Maman Bena Moutou, Kola Beno. Parce que passage à l'homme de Dieu, né à prophétesse, édition Oyo, et les premières éditions 2017, et même le logo de notre église. Et même élargissement. Pour que nous avons un principe, pour que nous la constat. Il y a des places à Zali, il y a des territoires qui ne sont pas à Zali pour épanouir. Conférence Oyo, et même nous avons un principe, et même nous avons un constat où nous avons un élargissement et l'élargissement est arrivé dans la bonne manière. En tant que révérend, comment la connexion est partie de la bonne manière? Vous sentez en puissance rapide. Magnétisme et Saint-Esprit dans la salle. Amen. La prédication, l'adoration. On sentait que nous avons dit dans l'édition 2019 pour nous avoir ma caste 2019. Non, moi, tout le monde comment le Seigneur nous a visités. Nous avons une connexion et c'est là qui est facile parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Tout le monde dit que nous avons un événement d'amour, la sincérité du cœur. Ce que j'ai remarqué, que nous, il n'y avait pas l'hypocrisie. Ouais. Parmi les prédicateurs. Parmi les prédicateurs et parmi les fidèles. Merci beaucoup parce que vous attend que pour la maman belé tout qui gagne pas mais pasteur ba conversation pour que tu poser ba question pour nani moté até alléluia amen assimise la qui kola béni binu mingi bonne biso révérence moi ndonga yeyo après ça espace kola bénirie et longue na prophétesse Ferondonga autobiara tant que ça égaliser prophétesse Ferondonga kola bénirie na équipe nanyo so parce merci pour la organisation na yo protocole na yo administration na yo pour ma bazaza ko lobeli yango nga na songi songi na lobeli yango mutu pe ngola a lobeli yango ko la bénir yo mais mana soka ka kita butuma pe na madoration ya portugais ça nous servirait biso to ba moi pour dire malamu pour to comprendre ko la bénir yo Irma Sophie Azoya merci beaucoup le 11 Azoya to le banzambi te kwanzamba Azoya le 4 Irma Sophia Azoya le 11 nyo suka ah mais nabi ke aigle de ciel on peut sa bino information malunga merci beaucoup Azo mata ko mata ko la pa mula yo merci beaucoup pasteur. Merci. Vous avez sali par sa ramoussala, vous avez sali qui est au commun, que la bénie équipe, collaboration, ni on soit collaborateur. Nous sommes sur Samuel de mon ministre, vous m'avez merci pour le travail, le travail fait, et ça qui nous a commencé à hôtel, tout le bel et en haut, que la bénie équipe, il va chanter, ni on soit, père béni, nous sommes sur ma communauté, c'est ça, oh, peu plus d'opportunités, tout y a, tout béni, bien sûr, le cas, peu ou pas, mon abisso, collaboration, cohésion, ça serait une bonne chose, que Dieu vous bénisse.